C'est pas que je suis pas du matin, c'est... Ouais, non, 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 je suis pas du matin. Ah bah au réveil, il faut juste pas me parler. Alors, t'as passé une bonne nuit ? Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Oui, oui. Oui, je passe une... Alors, on ne peut mieux. On va dire que j'ai un peu de mal à me lever non naturellement. On peut le dire, dis-le, n'aie pas honte. Qu'on me mette un réveil à 7h ou à 11h, tant que c'est pas naturel, c'est tout de suite un peu plus... folklorique. Oui bah voilà, il est conseillé pour moi de préparer 5 voire 6 réveils pour avoir éventuellement une potentielle chance de peut-être me réveiller. On sait pas. Et de la même manière que les juifs en 40, c'est une sorte de croisière de 1 toutes les 5 minutes. Ah juste histoire de pas pouvoir se rendormir après avoir désactivé celui qui vient de sonner. Arrête de faire genre. Je sais pas d'où tu sors ça, mais vraiment, moi je ne connais pas. C'est peut-être chez quelqu'un d'autre, mais en tout cas, pas chez moi. Tout le monde le fait. Tes potes le font. Ton père le fait. Ton chien le fait. Ta meuf le fait, même quand elle dort avec moi, alors... Par le même principe que le fond de ton verre d'eau à la cantine en maternelle. Putain, j'ai 9 ans! Chacun de mes réveils reflète un message, une énergie, quelque chose qui te met bien pour le reste de la journée. Ça donne une suite du style... Prépare-toi mentalement, paraît qu'à un moment va falloir te lever. Ouais, commence par te réveiller dans ton rêve, c'est déjà pas mal. Debout. Debout. Quoi ? Pourquoi ? Pour la planète. Putain ! Et dans ces moments-là, si ton réveil a démissionné au bout de la 40e sonnerie et que tu te réveilles... Alors où tes cours commencent ? Bah recouche-toi franchement. D'ailleurs c'est marrant parce que être en retard à deux, c'est quand même vachement plus rassurant. Pourtant t'es pas moins en retard. Est-ce que l'union fait la force ? Monsieur Pate, que me vaut le plaisir de votre retard ? Ah non mais il y a lui aussi. Bon ok. Allez circuler. C'est ça, je pense qu'ils se sentent en minorité, c'est l'avantage du nombre. Bon, alors quand j'étais au lycée, la gestion dans le domaine du retard était un peu... particulière. Ouais, alors on va leur épargner ça. Mais dans mon collège, les absences étaient juste marquées sur le carnet sans vraiment de suite. Une petite signature des parents sous coke et on oublie. Mais comment oublier ça? Comment oublier une enfance comme ça? Ah, j'en ai passé des heures enfermées dans la cave quand... C'est pas le moment. Autant pour moi. Alors que 3 retards cumulés donnaient une heure de colle. What the f... Si t'es en retard, vaut mieux pas venir du tout, non? Bah, recouche-toi, franchement. Et voilà, du coup, après, je suis arrivé au lycée. Les cours commençaient à 8h30. Ça arrive. En seconde, à 8h15, il y avait déjà les 3/4 de la classe de présent. Bon, en terminale, t'arrives à 8h25, 7, bien tapé, il y a un clodo et demi. Ah non, c'est Flo, pardon. Yo. Et encore, ça m'arrivait régulièrement de me retrouver devant un couloir complètement décédé. Paix à ton âme, petit ange parti trop tôt. C'était un couloir qui savait comprendre les gens. Et même si ses radiateurs étaient pas toujours chauds le matin, on... On enchaîne ? Oui. Tout ça pour assister à des cours qui m'intéressaient autant que ton diapo de photo de vacances du Cap Vert. Essaye même pas. Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste...